été voir il y a une dizaine d'années un four en Espagne qui séchait avec des coques d'amande. Donc c'est un produit beaucoup plus ligneux que la rafle, qui est facile à manipuler. Mais ça nous a donné l'idée d'utiliser notre combustible local, qui est les rafles, qu'on a toujours vu utiliser depuis tout gamin, pour allumer les feux, pour faire cuire du maïs pour le gavage à des canards, etc., etc. Donc pourquoi pas sécher le maïs avec. On les récolter au derrière de la moissonneuse, ensuite les transporter sous le hangar qui est ouvert et ventilé, et ces rafles pendant un an mûrissent, chauffent dans le tas, et le dégagement de chaleur dans ce tas fait que ce tas s'auto-sèche. Et elles arrivent à 15% d'humidité l'année suivante.